Eh bien, salut à tous! C'est Joël, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 10 d'Assassin's Creed 4. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super! Donc on s'était laissé après avoir poursuivi le galion espagnol ou anglais, je ne me rappelle plus très bien. Je crois que c'est espagnol. Ou français, je sais pas, je ne me rappelle plus. C'est juste qu'il est conduit par la Casas. Et la Casas, c'est un Templier. Et ce Templier, je crois bien qu'on va devoir le zigouiller. On va devoir se le faire. Bon, chargement, on a vu d'une. On va avoir droit à une petite cinématique. Quel qui dure. Écoutez-moi. La coutume de notre confrérie nous dicte de ne pas foncer tête baissée sur l'ordre d'un seul illuminé. Mais de se fier plutôt à notre folie collective. L'objet de nos désirs est un beau galion à gréement carré. Ce sera un atout de taille pour défendre Nassau. Alors je propose qu'on vote. Que tous ceux qui veulent se ruer dans cette crique pour prendre ce navire tapent du pied et crient aïe, aïe, aïe. Que ceux qui s'y opposent nous le fassent savoir. Personne. Vous êtes des faibles. Vous êtes des faibles. Jamais le conseil du roi n'a été si unanime. Le conseil du roi, c'est moi le roi. On n'est pas par au combat. Youhou! Les soldats ici ou pas? Donc il faut rejoindre en là la rive. Rejoignez l'orée de la jungle. Putain, très beau paysage par contre. Je crois que c'est le paysage du trailer. Bon, par contre, pas où il faut passer. Là-haut. Bon, c'est facile. Oh! Il a fait un tesso. D'accord. Bon, ça n'est pas très compliqué. D'accord, en haut encore. Et par contre, j'aimerais trop avoir. Ça. Merde, ça souplesse. Ouais. Youhou! Regardez ça, moi, cette souplesse de malade. En fait, faut pas rejoindre le combat, j'ai vu en objectif secondaire. Donc, on va essayer de le faire. Hein. Je suis pas sûr de réussir, mais bon. Voilà, ça fait sûr, ça. Ouh! Ok. À quoi ça servit là? À part me faire perdre du temps. Ça va pas le refaire, hein. On peut lâcher. Non, je rigole. Je suis pas suicidaire. Et moi, je crois que je ne suis pas suicidaire. On va essayer d'obtenir les 100% de synchronisation. Je vous promets rien parce que l'infiltration, vous avez pu voir que je ne suis pas un. C'est quoi ça? C'est des iguanes. Des iguanes. Par contre, j'ai. Pourquoi j'ai que des points? Voilà, mes épées. Mon pistolet. Et il y a un soldat quelque part. Je vois une flèche rouge. Youhou! On va cacher le corps par contre. On peut pas cacher le corps, mais bon. On peut, mais bon, ça fait. Oh oh. Et boum! Et avant ton pote, viens. Regardez ça, regardez ça. Même pas, il aime pas. Ah si. Il est là. Et. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. On peut y aller. On tenait un homme. Non, c'en est pas. C'est quoi? D'accord.
Lui, on l'a niqué. Bon. Mais là, la barbare. Hop, une petite glissade. Par contre, là, je l'ai vu. Y'en a qu'un. C'est quoi ce bug? Ah non, c'est bon. J'ai eu peur, je vois que c'est un autre personnage, mais non, c'est bien, il part, quoi. Oui. Ok. Il n'y a plus, je crois. Passé. Bon, où est-ce qu'on est là? Parce que bon, bien beau de voyager dans la jungle. D'accord. Faut éteindre là-bas. Par où faut passer? Ah, bah, c'est bon, j'ai dit. Faut pas descendre? On peut pas descendre. Moi, j'aimerais pas tester de descendre. Hein. Ennemi. Comme Tarzan, on se déplace tel un Tarzan. C'était quoi ça? Je sais pas c'était quoi ce putain de... Je sais pas ce qui s'est passé. On va récupérer le fragment. Ah, où se passe maintenant? Par là-bas je crois. Par contre, il y a des ennemis, je le sens. Mais parce que j'ai merde. Allez, on charge. C'est quoi ce bug? J'ai une balle, tu suis là, deux balles. Il y en a un troisième, je suis sûr. On va se mettre dans le... Il n'y en a qu'un. Hum, headshot. On va récupérer les munitions aussi. Parce que bon, on en aura besoin. J'ai vu qu'il y a un coffre là-bas. Est-ce qu'il y a vraiment un coffre? Oh, il y a un coco. Ah, j'ai eu 6 balles en plus. Y'a combien de mis là? De la merde. Et merde, rate. Bon, tu m'as... Tu fais lui. Ok. On va l'avoir, je ne t'appelle pas. Shot. Merde, raté. Je vais vous faire mon beau gosse, j'ai pas réussi.
Bon, j'ai du mal à viser. Pas mon vouloir, hein. Je mets un peu longtemps à viser. J'ai pas encore l'habitude. On va prendre les balles. On va prendre une petite épée. C'est plutôt le fun, même si j'ai des meilleures épées que eux. Allez, on continue notre exploration. Bon, je crois que faire part au combat, c'est raté. Désolé. Oh, c'est quoi ça? Ouh, il y a du monde là. Il y a un petit bug pendant le combat, mais bon. On peut le viser lui de là? Non. Il n'y en a qu'un? On va prendre le toit. Le toit c'est la meilleure solution des fois. Prendre jeu, putain j'ai plus de balles. Trop loin. Oula, mais y'en a un! On va prendre la surprise de eux. On va les contourner. Lui on va l'avoir facilement. Et où je vais me stopper. Merde. Ah, j'ai pas de fumée, très merde. Voilà. Ouais, munitions, s'il te plaît. Pensez avec elle que j'ai lancé mon couteau. BOUM! On va changer parce qu'il m'est arrivé. Presque plus. Hop, hop. Quoi? Ouais, on se les fait à 100%. Merde. On y arrive. Hey. Voilà. Putain, la visée manuelle, c'est pas très facile avec un joystick de manette pro. Tiens, m'expliquer. On va passer par là. Par là. Entre. Par où est-ce qu'on peut passer pour être inaperçu? On va le mettre à l'eau. Oh,
Putain, mais ce bâtard. Il vise bien, hein. En plus. Hein. J'ai réussi un objectif au moins déjà. Tu te souviens du cadeau que tu m'as fait? Il fonctionne à merveille. Fils ah, c'est lui qui m'a donné l'âme secrète. Aussi vif que la balle de mousquet. Ok. Mais sûrement à peine plus malin. Tu n'avais pas te tuer, mais je vais pas risquer que tu dises à tes amis templiers que je suis toujours bien vivant. Je te plains, Boccanier. Après tout ce que tu as vu, après ce que nous t'avons montré de notre ordre, toi, tu préfères toujours la vie d'un voleur sans but et sans âme. Qu'est-ce que c'est? Ton ambition se limite-t-elle à de vulgaires grappillages, et tu es incapable de comprendre l'ampleur de notre tâche. Tous les empires de cette terre abolis, un monde ouvert, libre... La bug de la puma, hein, vous voyez là, derrière lui. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Mon insouciance, c'est mes rêves. Mes rêves sont plus grands que tes espoirs. Gardez cette phrase en mémoire, les amis. La crique est à nous. Ouais. Ouais, j'ai échoué le premier. Mais bon, j'ai réussi un. C'est déjà pas mal. Regardez combien ça fait 2 minutes de vidéo, donc ça fait déjà 16 minutes, non 17 minutes, 17 minutes pile poil là. Donc ça va être le moment de se laisser, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Moi personnellement j'ai bien aimé cette mémoire, c'était un peu nouveau avec un beau décor. Et franchement ce jeu m'étonne de plus en plus. Ce jeu est extraordinaire, franchement je vous le conseille si vous ne l'avez pas pris déjà. Que ce soit sur Wii U, PS4 ou n'importe quelle console, prenez-le franchement. Cet Assassin's Creed est énorme. Et j'espère franchement qu'il va être encore plus énorme par la suite. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Et sur ce, bye bye! Portez-vous bien!